Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tuto « Comment créer un lien de redirection de son système I.O. avec OVH ». Une fois sur votre système I.O., vous avez le lien de la page que vous voulez rediriger. À droite, vous cliquez sur « Copier le lien ». Ensuite, vous allez sur votre OVH dans « Web Cloud ». Vous cliquez dans « Domaine ». Si vous avez plusieurs noms de domaine, vous choisissez le nom de domaine que vous voulez utiliser pour la redirection. Vous devez cliquer ensuite sur « Redirection ». Puis, à droite, vous choisissez « Ajouter une redirection ». Vous choisissez le nom que vous voulez mettre en redirection. Donc là, pour vous montrer qu'on peut choisir ce que l'on veut, j'ai choisi inscription jeu concours. Vous ne mettez pas d'espace, j'ai mis des tirets, mais on peut tout attacher. Vous pouvez tester ce que vous voulez, vous pouvez changer par la suite de toute manière si ça ne vous convient pas ou que ça parle pas assez. Vous cliquez sur « Suivant », vous cochez la case vers une adresse web. Je retourne sur la page précédente. J'ai oublié de cocher une case importante que vous devez également cocher. Rediriger aussi. Voilà, cette case est hyper importante. Je vous invite donc du coup, avec toutes mes excuses, de retourner sur la page précédente et de cocher cette case. Donc vous recliquez sur suivant, une deuxième fois suivant, et vous choisissez redirection invisible. Vous cliquez encore sur suivant, vous cochez la case temporaire. Dans la case adresse web, vous collez le lien que vous avez copié de votre système I.O. Au tout départ de cette vidéo. Vous cliquez sur suivant et ensuite vous avez tout le récapitulatif et vous validez. Donc ensuite vous pouvez voir sur cette page que vous avez tous les liens de redirection que vous avez pu faire. Vous pouvez donc tester votre lien de redirection avec le nom que vous avez choisi. Vous pouvez constater que cela fonctionne très bien et que dans votre onglet de recherche Google, c'est plus agréable d'avoir un nom choisi que votre lien qui a été créé par System.io avec System.io à la fin. Cela fait un peu plus professionnel. Maintenant, c'est un choix, c'est pas une obligation. Je vous souhaite une belle réussite dans votre activité. Je vous dis à un prochain tuto. N'hésitez pas à vous abonner ou regarder les autres vidéos de tutos.